Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Darksider, War Master Edition. La dernière fois nous étions arrêtés juste ici, salutations le petit démon. Et donc il y avait une porte ici, mais malheureusement j'ai enclenché la cinématique qui n'était juste qu'un déplacement du personnage. C'était un gros golem, vous en reverrez au fil de l'aventure. Donc on va tout de suite commencer. Donc j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme, parce que moi oui. Donc là, je suis en pure découverte. Je n'ai jamais vu ce passage-là. Enfin, je n'ai jamais fait ce passage-là, plutôt, on va dire. Et vu non plus, car je n'ai pas regardé de let's play sur le 1 ni sur le 2. Le 2, j'ai juste fait moi-même. Donc j'espère que le son est bon, que la vidéo est pas trop mal. Ah, flûte, j'aurais dû reculer là. Oula, là je suis vraiment en danger. C'est bon. Et voilà. Je commence un peu à me faire au système de combat du jeu. Je sais qu'on peut descendre dans l'eau normalement. Faut que je me rappelle, ça fait un petit moment que je n'ai pas. Donc c'est B. Y pour remonter, d'accord. Nice. Et on retourne en arrière maintenant. Oui, donc je redis encore une fois, hein, désolé pour le manque de vidéos sur la chaîne dernièrement, mais c'est juste que je suis très occupé, que je n'ai vraiment pas de temps pour moi. Il faut que je m'habitue à mon nouveau rythme de travail, enfin mon premier rythme de travail simplement. On va monter par là, d'accord, j'ai juste essayé. Ok. Un grappin, si je m'abuse. Je peux pas encore aller là-bas. Donc ils ont fait beaucoup de mises à jour, hein, qui augmentent surtout la stabilité du jeu avec les graphismes au maximum. Parce que bon, mon PC qui fait pas tourner ce jeu au maximum, c'est une blague quand même. Mais là, c'est bon, je fais tourner sans problème. Là, je me tâte dernièrement à savoir si je passe mes vidéos en 60 fps. Il faudrait que je fasse certains tests quand je vais acheter mon nouveau matériel. Donc, sûrement courant janvier. Kappa. Ça tient le passage ici. Ouh. Par là-bas, hein. Là, j'aurais plus rien à faire pour le moment ici. Il faudra certainement que j'y revienne dans le futur. Désolé, j'ai l'impression que ça crache. Ah non, si. Oh là là, désolé, hein. Ah là là, ce vilain Adobe Reader qui va me faire une mise à jour avec tous les jours, il me met un pop-up comme ça. Alors que je règle vraiment ce problème parce qu'il devient très très chiant.
fight un peu les véhicules. Donc un monde vraiment post-apocalyptique là, 100 ans après l'attaque des démons. Ok. Ah, en face. Ah, j'ai même pas regardé sur la carte s'il y avait des trésors. Je sais même pas si je les vois en fait. Je ne sais pas. Donc on fait quand même le tour, hein, c'est bien RPG, hein, il ne faut pas rusher ce genre de jeu. Il faudrait peut-être que j'utilise plus la corne de plus en plus souvent, elle m'a l'air d'être assez utile. Pour voir le démon Samael, c'est par là. Ah, il a l'air d'avoir un gardien. Sais-tu ce qui est emprisonné ici? Il y a des choses dont tu devrais te méfier, cavalier. Avant, tu étais puissant. Mais à présent, tu es faible et tu es tout seul. Le destructeur est au courant de ta venue. À l'heure qu'il est, il envoie ses légions contre toi. Alors je dois faire vite. Le toutou de Samael approche. Ah oui, c'est, j'ai l'impression que je peux pas le dodge. Essaye pour voir. Ah, je sais pas s'il y a un deuxième niveau comparé à ça, pardon, je vais regarder en plein combat. Ah, il y a 4 niveaux en tout. Très bien. Très bien, très bien. Alors lui, il a volé bien haut, tiens. Et voilà. Oh. Bah bah oh. Par ici. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Une gargouille de scrap. Oh.
Et la dernière qui se trouve là-bas. Ça devrait réveiller le démon Samael. Ok. Donc on a des ailes maintenant. Un vol de l'ombre. D'accord. D'accord, d'accord. Où est-ce qu'il me demande d'aller exactement? Là-bas. Je vais faire une petite ellipse le temps d'aller chercher un... Ah non, attendez. Ah non, c'est ça les... D'accord. Donc non, je peux pas, je l'ai pas encore. Donc je retournerai en arrière plus tard. Par contre, on va quand même aller voir ce qu'il y a là-bas. Je suis assez curieux. Voilà. Donc en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la première vidéo, il y avait un coffre inaccessible avec une sorte de d'énergie noire, une sorte de téléporteur, on dirait que je n'ai pas encore le pouvoir, que ce n'était pas ce pouvoir exactement. Du coup, je devrais retourner plus tard en arrière. Pas grave, de toute façon, j'irai quand même voir hors vidéo, on ne sait jamais. Quand même bien que j'XP mes armes, on ne sait jamais. Alors, j'entends des chaînes, et je les vois aussi. Alors, Vulgrim. Ça, pour le moment, on s'en fout un peu. On va prendre ça. Tu es tout aussi ça. Ok. Forge d'équipement, donc entrée. Ah oui, je voulais l'attribuer, mais ça n'a pas fait. Voilà. Non, nice, ça fait un petit effet. Ok. Il va falloir que je trouve un spot où farmer les âmes. Hein.
que j'en aurai un grand besoin. Là, je ne peux pas y aller non plus normalement. C'est bien cela. Du coup, on retourne tout le temps en arrière pour aller à l'endroit où on était censé aller à la base. Ça fait un petit effet bien sympa sur les PA. Je trouve qu'ils ont bien réussi leur remaster en attendant. Avec ce qu'on a vu. Là, il faut faire le 3, les amis. Il faut faire le 3. C'est bien de remaster le 1, mais il faut faire le 3. Oh, très beau. Non, quand même pas. Voilà, c'est bon. Pas vraiment ce que je voulais faire, mais c'est grave. Un coffre. Tiens, ça tient. Je vois. Moi là-bas ce n'est clairement pas pour tout de suite pour le coffre. Ah, je vois une porte. Voilà. Ici il n'y a rien. Si on a malheureusement pas encore pouvoir, on dirait. Je fais très attention à ne pas louper des coffres d'armes parce que ça on en a vraiment besoin. Le parc suffocant, pardon. Alors la carte. Je suis la carte. Ok. Comme d'hab dans les RPG, regardez tout le temps aller où on ne demande pas d'aller.
On se fait tous les ennemis qu'on a parce qu'on est pas assez encore stuffé. Excusez-moi, je voulais regarder notre niveau d'armes. D'accord, oh, ils auront pas vite, hein. Ça monte pas vite. Voilà, non, en fait, non, on va partir parce que. Alors lui ils sont costauds quand même hein. Enfin eux pardon pas lui parce que sinon ça veut rien dire la phrase. Oh un gros coffre. Oh. Je n'ai pas de quoi me régène, non. Oh non. Donc là c'est... on avance tout en mâchant du mob, bien sûr. Faut bien expert minimum parce que sinon on risque d'être très à la bourre. Hein. S'il n'y a pas vraiment de niveau dans le jeu. D'ailleurs donc oui, normalement une bonne nouvelle si tout se passe bien, à partir de janvier il y aura des let's play sur une console. Je voulais savoir laquelle. Vous découvrir. Tiens tiens. Ouh. Ok. C'est bon, je commence à m'approprier les combos là, ça va mieux. Voilà. Oh, ça donne des âmes, ça. Combien d'âmes pour chaque? Oh, 3 âmes, ouais, non, c'est pas terrible. Okidoki. Alors, c'est vrai, c'est le Grim. Arrête de respirer comme un bœuf. Ah. Salutations.
Et voilà, ça s'avance bien. Où est-ce que j'en suis? Je suis là. Un artefact, pardon. Non, la magie de Jive, c'est bien. On tacle le rythme de cœur. Bah, le rythme du cœur, je me comprends. Voilà. Y a-t-il quelque chose d'autre? Quelqu'un veut se battre? Donnez-moi de la vie, bordel de merde. Ah, les corbeaux donnent de la vie, d'accord. Merci pour la vie. C'est bon pour ici, c'est bon pour ici. Cherchons un peu, cherchons un peu. Il y a Kata. Je vous disais que j'entendais quelque chose. Oh, un coffre. Coffre quoi? Ah, un coffre de santé. Un petit peu bien, un petit peu de santé. Oui. De l'argent, de l'argent. Youpi. Et bam! Donc on continue encore un peu, genre une dizaine de minutes pour pouvoir faire une petite vidéo de 40 minutes. Regardez, là ce que vous voyez là-bas, c'est une des portes comme j'avais dit que j'avais activé sans faire exprès. En vidéo la dernière fois. Enfin, hors vidéo, pas en vidéo. D'accord. Des âmes. Bien, bien, bien. Allez. Donc là normalement j'ai tout. Pour le moment dans cette zone, je sais que j'ai loupé des choses pour plus tard, mais pas pour le moment.
J'ai rien dit. Veuillez m'excuser, je n'avais pas vu cette zone. Allez, allez. Est-ce que ça avance bien ici? Ça patauge, ça patauge. Ça, c'est une amélioration de Kourou. Nice. Donc, c'est parti pour l'amélioration de Kourou. Oh oui, dans 3 morceaux encore, mais... Là, je peux pas continuer. Ah là là, ils aiment bien mettre des éléments inaccessibles au début. On ouvre la porte. Ah là, c'est bon. Je suis venu pour le destructeur. Mon frère a parlé de ta venue. Mais une puissante malédiction me retient ici. Je ne peux pas t'aider. Les malédictions peuvent être brisées. Oui, peut-être. Les serviteurs du destructeur sont invisibles dans le royaume des ombres. Par leur sang, nous sommes liés. Par leur sang, nous serons libérés. Je ne peux plus me déplacer dans le royaume des ombres. Ma puissance a beaucoup faibli. Pas la peine d'y entrer. Je te donne le pouvoir de lire dans le royaume maudit pendant un temps. Mais à quelle fin? Quel espoir pouvons-nous avoir face au pouvoir maléfique du destructeur? Ce n'est pas l'espoir qui donnera la liberté. Oui. Nice. Trouve où se cachent ces rôdeurs des ombres et tue-les tous. Ils ne peuvent pas être si durs à trouver. On va y sont indiqués sur sur la carte, tiens. Ça nous y téléporte, d'accord. Certainement pas un défi à ton goût. Allez. Je perds du temps là.
Voilà, ça s'est ouvert. On essaye en dessous de une minute, enfin au-dessus d'une minute 20, pardon. Voilà. Excellent. Y a rien d'autre, non? Ça va. Ça c'est du coup. Donc ça en fait un. Il y en a quatre? Hum. Un petit peu plus chiant ça. Bon, pas grave, on les fait quatre quand même. Puis ensuite on arrêtera cette vidéo là, ça fera un peu plus que 40 minutes, mais c'est pas grave. Ah, c'est parce que je vais faire flûte. Un, deux, trois, tac, tac, tac. C'est nice, c'est nice, c'est nice. Tu veux pas dire courroux, tiens. Voilà qui était amusant. Peut-on recommencer? Comme j'ai dit, même pas besoin de courroux. Parce que j'en ai pas utilisé. Là, pour le moment, je n'en vois pas l'intérêt d'utiliser. Donc j'ai fait un peu de job bête avant de visiter la zone. J'aurais dû d'abord faire ça. Aller voir la grande porte et faire ça, mais je ne savais pas. Désolé, ça fait perdre un peu de temps. Mais au moins, c'est qu'on ne loupe rien dans la zone. Alors. Au moins ça montre aussi tous les types qu'il peut y avoir de défis. D'accord. Je me suis fait toucher inutilement, malheureusement.
Veuillez attendre un instant, s'il vous plaît. Et me revoici, désolé, petite ellipse, tu as un appel. Donc on peut y retourner. Et là, c'est un... ça va, c'est un petit peu plus chaud, mais ça va, c'est pas si dur que ça. Par contre, si après c'est les 10 derniers c'est des gros, ça va pas le faire. Ah, ça va. Ça fait n'empêche des points, hein. Ça fait des âmes. Je sais pas s'il y a des genres des quêtes annexes comme ça ou des trucs comme ça, mais ce serait bien pour farmer. Hein. Ah, oulala, par contre, c'est dangereux. Voilà, par contre, c'est très dangereux. C'est dangereux. Allez, meurs, meurs, et meurs. Et voilà. Donc il n'en reste plus qu'un juste après ça. Donc celui-là était vraiment un petit peu plus dur que les autres, que les deux autres. Et il y en a qui se trouve là-bas. C'est bizarre, les ennemis ripop pas ou comment ça se passe? J'ai pas revu un seul ennemi. Peut-être c'est parce que je suis comme ça. Dans le monde des ténèbres, on va dire. Le royaume des ombres, cela s'appelle. Farce sanglante. Tu m'étonnes que j'ai 5 minutes pour le faire. Ah là là, c'est chiant, c'est long. Enfin, c'est pas chiant, c'est que c'est long quoi, c'est... Ok,
15 ennemis, un coup final à... Voilà, la chose la plus facile à faire, quoi. Oh, surtout s'il y a des gros comme ça, quoi. Normalement j'aurais pas à me fighter le gros. Le gros avec ses gros bras. Et voilà. Alors, ça fait un petit paquet d'âmes, hein. Voilà. On va lui dire ça en parlant. Alors là, on va voir justement la personne. Retourner vers la porte, pardon, on lui quitte le terrain. Ça devait être le dernier. Tirons-nous d'ici. C'est désert comme zone, n'empêche. Hein. Je sais pas. Non, franchement, je sais pas à quoi c'est dû pour qu'il n'y ait plus rien là, plus personne. Ok. Donc on va avancer un petit peu encore. On va détruire toutes les bagnoles. Je sais pas. Est-ce qu'on continue? Je regarde un peu la zone. Ouais, non, on va s'arrêter là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout, vous abonner à la chaîne. C'était TheTed, moi j'ai TipanHD. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Vive les jeux vidéo.